Juste avant, on a remercié le Premier ministre, Dr. Ariel Henry, avec le ministre de la Justice, là, qui place confiance en nous pour mettre nous, comme commissaire gouvernement, dans le paquet de Port-au-Prince. Et avant tout, dans la quatre missions gouvernement gagnées pour mener le pays, ensemble avec tout acteur concerné. Et je dis en paquet de Port-au-Prince, trouver que l'est nécessaire pour prononcer sur certains problèmes que la société a traversé. Et qui permettre que nous lancer travail que nous avons pour nous faire de concert avec acteur dans l'appareil judiciaire avec l'autre acteur qui a permettre que pays a les connaît de jour qui meilleur. Et dans ce sens ça intervention par nous matin il va chuter sur trois axes. Premièrement, c'est sur question insécurité. Deuxièmement, c'est sur question détention préventive prolongée et en dernier lieu, c'est question présence parquet dans tout siège qu'a fait dans tribunal. Question de sécurité, nous connaissons un problème tout le monde lié. Quel que soit le monde lié à la victime et pas une crasse possibilité au monde de sortir dans la rue pas qu'à victime de insécurité. Parce qu'à travers toute juridiction, nous avons une question de sécurité à commencer à prendre un essor considérable. Et dans ce sens, le parquet, lui-même, lui offre tête lui et lui annoncer avec la police que la porte balé tout support possible pour permettre la police dans quatre travail que l'a fait pour traquer bandit pour intervenir les lits nécessaires de façon à ce que nous essayer réduire question insécurité et qui c'est un grand cancer pour société aujourd'hui et nous comprendre que aujourd'hui à chaque fois que le déplacement qu'a fait, on a posé cette question, est-ce que ou pas parler victime par rapport avec des actes bandits à poser, par rapport avec armes qui cap circuler dans la société a. Et je dis en paquet, li a annoncé avec la police, quelle que soit situation, li avel et la porter tout support possible de façon à ce que pour yo traquer bandits yo et si possibilité si nécessaire mener au pas devant la justice pour prononcer sous décision et sous peine que yo mérité. Et nous avons prononcé aussi sous question gaz qui vend dans la rue. Yo. Et nous pensons que ce problème ça, de nos jours, il y a un problème pour la société. Ya. Et si nous prenons exemple, Tigouab, côté que il y a une possibilité, nous, ouais, côté que mon a brûlé, Kaya brûlé, nous avons annoncé jeudi avec tout le monde qui vend gaz dans la rue. Yo. D'ici lundi prochain, quel que soit le monde, nous jouons, qui vend gaz dans la rue, nous bay la police l'autre, moun sa yo, prend gaz yo, s'il faut mener yo devant tribunal, mener yo devant tribunal. Parce que automatiquement, nous annonçons ça, à partir de mardi si Dieu veut, nous sorti dans la rue avec la police et permanence parquet, on a marché, cherché tout le monde qui a vendu gaz dans la rue yo, pour nous demander à ce que le problème ça, li suspend la société. Ya. Et nous annoncé aussi avec question média, avec essence yo, pompe qui a vendu gaz yo. Et nous avons souhaité que les gens qui sont propriétaires de gaz ne puissent pas vendre les gaz dans la rue, dans le galon encore. Et nous pensons que les gens qui ont toujours une possibilité pour les gens d'acheter un galon de gaz pour mettre une génératrice, ça ne peut pas écarter la possibilité de ça. Mais quand il s'agit de gens qui ont avec 10 gallons, 15 gallons, 20 gallons, non pompe, ils ont pris tout galon ça et puis ils vendent le gaz là, à travers toute la rue, ils vendent le gaz. Ça nous demande à ce que tout le monde suspende avec pratique ça. Parce que parquet a, il pas prendre j'ai gardé au comme ça. Et en plus, nous avons l'autre question encore. C'est la question de tout le monde que nous jouons qui n'a le club dans la nuit. Ça a quelques jours que nous visitons quelques clubs. Nous avons deux parents prennent le plaisir, prendre le club avec tout le monde, aller dans la piscine avec tout le monde. Côté que nous avons fumé, nous avons éclairé. Nous demandons à ce que les parents, si les gens qui ont été la caille, nous, quand les gens doivent sortir, c'est pour nous que les gens la caille, nous, de façon à ce que, pour construire la moralité de les gens, quand les parents ont bien la piscine, si les gens ont circulé, beaucoup de piscine, les gens ont fumé, les gens ont éclairé, ça, nous ne voulons que pratique ça dans la société. Les parents qui ont les gens, ouvrent sortir avec elles, matin, ont sorti avec elles, on leur qui pas dit, on leur dit ou entrer avec elle. Et ça, nous voulons mettre en face sur ça.
pour permettre à ce que la société reprenne forme, pour l'ordre social retourne encore, de manière à ce que la société noire ait le visage que le droit bail là, genre que le défendu avant. Et nous avons un problème qui est sur la détention préventive prolongée. Et nous tous connaissons que le problème, ça, c'est un cancer, c'est un gros problème dans la question de justice. La détention préventive prolongée, nous-mêmes dans le parquet, l'un des substituts, nous avons une responsabilité, nous avons coordonné une cellule dans la question de détention préventive prolongée. Et à partir du moment que nous venons au parquet, nous pensons que le problème, ça, faut que nous portions une solution. Même si la solution n'est pas venue de façon grandiose, mais nous devons porter une solution de façon à ce que nous réduisons la quantité de monde qui est en prison qui peut pas juger et monde qui est en prison qui a un dossier dans la cabine de destruction qui n'a pas avancé. Et je dis à travers les cellules que nous mettons ensemble avec substituts, nous prenons le travail sur le dossier ça et pour nous porter un résultat qui est plus ou moins satisfaisant de manière à ce que la société a ligué au souffle. Parce que ça fait longtemps qu'il y a pile monde qui est en prison qui n'a pas juger. En pile monde en prison, je ne vais pas attendre. En pile monde en prison, cabinet de destruction, pas attendre. Parquet a lui même livré porter une solution dans ce sens-là. Et c'est peut-être ça. Parquet a créé, dans parquet, a gagné une cellule qui a l'écoute des détenus, qui a un numéro de téléphone qui c'est 31 12 55 10, qui a une cellule qui a attendu doléances. Par un monde qui gagne, monde en prison, qui gagne dossier soit cabinet d'instruction, qui gagne dossier soit qui n'a correctionnel, et pour nous avancer. Et dans le même cadre de travail, ça, nous pourrons faire recruter 10 jeunes dans la faculté de droit, qui ont le centre d'appel ça, et qui prennent information, qui prennent doléances. À partir de doléances que vous prenez, ils transmettent avec cellules, qui a l'écoute des détenus, et pour permettre par qui a lui-même de faire de suivi. Possible pour moun sa yo ki nan prison ki capable ki ka jwenn liberté yo soit peut-être yo jige prononcé sous peine yo et de façon à ce que pour problème justice ça li même li résoudre. Et nous ap souhaité aussi dans cadre travail ça gen ensemble de dossiers qui c'est de dossiers criminels que nous pral intervenir là-dedans yo tel que dossier Neti, dossier Diego Chal, dossier Batounet d'Orval. Nous pourrons aller demander et chercher qu'on est dans qui cadre dossier ça yo, dans qui phase dossier ça yo, de façon à ce que pour avancer et pour société à lui-même, li wè que gen on justice qui a prononcé, bon justice qui a marché et bon justice qui voulait pas résultat. Et c'est dans ce sens ça, matin nous rencontrons avec la presse, nous avons l'autre problème encore, qui c'est problème et présence parquet à dans siège yo. Nous pensons que désormais, parquet prend dans tout siège que nous connaissons qui est dans le tribunal. Là. Surtout siège qui a rapport avec la question habeas corpus. Parquet à travers le ça qui formé, qui pour porter solution pour aller dans la question habeas corpus. Nous pensons que il y a un commissaire qui est disponible pour ça. Quelle que soit l'action en habeas corpus, parquet à présent, chaque moment, ça m'a délit. Et c'est ça qui permet à ce que il y ait des dossiers qui doivent déclasser, il y ait des dossiers qui doivent avancer, comme ça tout, il y ait des dossiers qui doivent classer dans le tribunal là avec parquet. Et encore une fois, je dis merci avec la presse qui fait déplacement, qui vient présenter matin en parquet, dans le cadre de conférence de presse que le parquet a décidé par matin, à travers ensemble de problèmes que justice là, société a traversé et puis pour nous comment de concert avec la police, de concert avec le tribunal là, pour nous créer une harmonisation, pour nous créer une synergie, pour nous voir une réponse satisfaisante avec le monde qui a demandé à ce que justice là lui reprenne forme, lui permet à ce que le monde qui est en prison yo juge, le monde qui doit dossier de avancer pour avancer. Et c'est comme ça nous pensons que la société a râlé en souffle. Et sous ça que le préalable aléa a permettre que, ou même je dis à qui sont citoyens, soit qui ont un cousin, qui ont un frère qui est en prison, ou au moins capable de connaître que un système qui a avancé, un système qui a marché. Et je remercie nous aujourd'hui,
Et merci pour la présence nous. Merci avec et Zamino et Vladimir et qui t'ont coordonné et intervention ça pour nous. Merci beaucoup. Non, c'est bon. Notre discussion pour moi qui a une question pour notre conseil. Notre question pour moi surtout qui a une question pour le commissaire. Donc, il y a une question. Une question. Nous avons deux missions qui sont spécifiques à travers la question de détention préventive. Nous avons pour faire deux suivis dans le dossier qui est acquis en souffrance. Deuxièmement, nous avons aussi une mission pour visiter le commissariat chaque semaine. Et chaque fois, nous avons déplacé, aller contrôler et garder à vue. Ou un monde qui est doué transférer soit devant le tribunal de paix, monde qui est doué transférer au parquet. Pour permettre à ce que la prison n'est pas remplie avec le monde. Et c'est dans ce sens, à travers même comme cellules, nous créons des cellules qui sont à l'écoute des détenus et que nous avons un centre d'appel. Et le centre d'appel, ça permet que les gens qui sont dans la prison, ou relaient, et puis ou baillent d'oléance, ou baillent information nécessaire, et puis de suivi à fait pour permettre à ce que nous travaillons sur la question de détention préventive pour le GIA. Effectivement, dans le cadre de l'administration que nous dirigeons, il y a des actes prédécesseurs qui prend que nous trouvons qui pas répondre avec question la loi. Parce que nous, c'est légaliste. Une fois qu'un commissaire et un magistrat ont prêté serment pour agir et avec toute loyauté, toute honnêteté, nous pas raison, on substitue qui n'a pas qu'à l'indécéné au mandat, faut que nous contre-signer. Nous trouvons que AXA n'est pas normal et puis nous décider, nous lever et administrativement nous lever et aspect ça. Et nous pensons que les magistrats yo, automatiquement yo, saisi le dossier, ils ont toute honnêteté, ils ont toute loyauté pour agir suivant conscience avec la loi. Et c'est peut-être ça nous agir comme ça. Et il y a l'autre décision que nous prenons et que nous prenons encore. Nous pensons qu'au moment opportun, automatiquement, il y a une possibilité, la presse a toujours pris l'autre décision qu'elle prend. Mais cependant, nous chita sur ça et pour nous permettre que le parquet lui-même nous joigne. Collaboration toute substitue et permettre à ce que nous avancions à grand pas dans le cadre et combat à mener pour question de justice. Là. Et commissaire, et nous connaissons que l'ancien commissaire gouvernement Bedford Kodim était invité et le premier ministre Ariel Henry et qui a une implication, qui a parlé avec Badjo, joue assassinat président Jovenel Moïse là et jusqu'à présent. Et le commissaire a évoqué ou même vous avez une idée pour inviter le PM dans tout? Bon, jusqu'à présent, nous avons toujours été dans le cadre d'application de la loi. Parce que la loi dit que. Le premier ministre, c'est un fonctionnaire et un haut cadre dans l'État. Pour aucune raison, pas qu'il n'y a pas invité dans le cadre d'un dossier que des suspicions t'a gagné contre lui-même. Puisque pas qu'il y a lui-même, automatiquement, un dossier dans le cabinet d'instruction, pas qu'il y a pas d'autre possibilité qu'il y ait invité le PM à venir là. C'est que le juge d'instruction peut toujours décider d'inviter le PM. Quant à nous autres, nous n'avons pas eu ce choix d'inviter le PM à se présenter au parquet. C'est un gros événement passé avant hier soir dans la ville Bétade. Côté en pile d'informations, et nous parlons avec parents, nous avons fait 14 jeunes qui ont tourné une vidéo, mais qui ont gagné et puis des âmes de joueurs pour monter les vidéos. Ça. Et puis la police est venue, et puis on s'est fait faire sur M. Zao. Il y a 14 personnes qui mourent jusqu'à présent dans le palais là. Qui coûte mon pense au cabal dans le dossier ça? Jusqu'à présent, la police doit intervenir. Et intervention de la police, il y a de fait dans le cadre de la loi.
et nous pas jamais demander à ce que la police les agit de façon arbitraire pour la agir sans que les pas mettez devant la loi. Si il y a deux problèmes, DCPJ, nous avons SDPJ qui là cap renforcer question sécurité a, les cadres vous faire des interventions. Mais seulement il y a pour devoir dresser des rapports, faire des instructions, faire des enquêtes et déférer le dossier automatiquement au parquet pour les suites de droit et nécessaires. Merci beaucoup.